Installez les Gémeaux, les Gémettes. Petite vidéo pour les, comment dire, les énergies du week-end, hein, donc juste trois cartes, hein, comme ça c'est vite fait, on peut passer au suivant. Première carte, vous avez eu la décision. Ah, attention, vous avez quelque chose à faire en priorité. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc faites le ménage, hein, dans tous les sens du terme. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc, débarrassez-vous de ce qui peut vous emmerder, entre guillemets. Hein, débarrassez-vous des vieux schémas, des schémas répétitifs. Hein, débarrassez-vous des personnes toxiques. Et faites vraiment ce que vous avez vraiment envie de faire avec votre cœur. Deuxième carte, vous avez eu le pouvoir des fleurs. Et oui, c'est la nature, les animaux. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous voyez, ça rejoint un peu la première carte. Donc, c'est aller dans la nature, faites vraiment ce qui vous plaît, que ce soit de la cuisine, de la lecture, du vélo, enfin n'importe quoi, tout ce qui vous plaît, hein, afin de vous libérer de tout ce qui peut vous retenir, qui peut vous inquiéter, vous stresser, vous angoisser. Donc, soyez très active et actif dans vos passions. Et dernière carte, vous avez eu la porte lointaine. Donc, voyez, on va dire un petit peu, c'est la lumière au bout du tunnel, si on peut dire ça. La prochaine expérience sera beaucoup plus ensoleillée, beaucoup plus dynamique et surtout dans de bonnes vibrations. Voilà pour vous, les Gémeaux, les Gémettes. Namasté.